débattre. Aujourd'hui, je pense qu'il est légitime, en tant que chambre de commerce aussi, de prendre conscience du poids du maritime. Alors, le nautisme, la plaisance, on peut donner tous les noms qu'on veut, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est important de quantifier le poids de cette économie. Pour moi, le point le plus important, c'est 10 000 emplois. 10 000 emplois en région qui fait qu'aujourd'hui, écrire un livre blanc sur cette filière, l'idée, c'est de donner un document de référence, en effet, pour le pouvoir politique, pour la région. Donc l'idée, c'est en effet de faire passer un message dans les institutions dans lesquelles on siège, ou faire savoir et savoir-faire, c'est quand même aussi important, faire savoir ce qui existe et montrer notre savoir-faire aussi dans ce secteur-là, aujourd'hui, c'est capital. On est dans un triangle d'or, en particulier sur la Grande Plaisance, qui est unique au monde. On parle souvent du Grand Port Maritime. Moi, j'en suis un spécialiste, puisque j'en suis un des membres. C'est sûr que la bataille actuellement de toute la logistique, dont chaque entreprise a besoin en général d'un port d'export, elle a besoin de flux. Hein, l'économie moderne, elle est sur les flux. Nous avons la chance d'avoir un port de dimension mondiale, qui est multimodal. Et la bataille du port, elle est un petit peu gagnée dans le terme d'équipement. Par contre, nous avons une bataille à mener, c'est celle du multimodal, du train, évidemment, et des voies navigables, etc., qui touche toute notre région. Et ça, c'est d'accord, les ports, c'est pas que des ports, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. Absolument. C'est évident que sur le reste de l'Europe, en particulier l'Europe du Nord, ils ont gagné cette bataille il y a 30 ans. Nous sommes en train de la découvrir, parce que nous sommes maintenant dans des volumétries, en particulier sur les conteneurs à fosse, qui sont de plusieurs millions, donc on a 1,3 million, 1,4 million cette année. Donc il faut à tout prix pouvoir éclater et pouvoir aller très vite. La mobilité sur un conteneur, c'est la même que celle des hommes, on va dire. Si derrière, on a été capable de l'amener très rapidement de Chine à Marseille, mais qu'à Marseille, après, il faut 4 jours pour rejoindre Lyon, ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment continuer, et c'est là que la bataille, que le fer doit être porté. En effet, cette prise de conscience du monde politique, elle est importante pour qu'on se réapproprie, je dirais, un peu notre littoral, comme quoi c'est un sujet qui nécessite et qui mérite bien un livre blanc, parce que le thème est vaste et que on est déjà dans une logique de collaboration, notamment sur le Club Croisière, mais aussi sur beaucoup d'autres actions. Merci.